Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fire, j'espère que vous allez bien. Nous continuons la campagne de libération sur Heroes 3 avec Tunnel et Troglodyte. Alors pour gagner, vous devez capturer toutes les villes, les châteaux, et tuer tous les héros ennemis. Some Border Guard ne peut laisser passer qu'un héros en possession d'un... un artefact de quête. Donc en fait les Border Guards c'était les fameux blocus qu'il y avait dans des coins en fait qu'on avait eu sur la carte d'avant. Et effectivement ça nous avait donné en quelque sorte un bonus, mais c'est clairement pas le fait qu'on puisse garder l'expérience des autres héros comme sur les autres campagnes, parce que clairement c'est un très gros avantage que nous n'avons pas dans les campagnes après, hein. Je ne sais pas si Libération est la seule à faire ça, mais en tout cas ça augmente énormément la difficulté, hein, le fait de pas porter de héros supplémentaires, très très dur. Alors quels sont nos choix de bonus? Commencer avec un expert navigation, commencer avec une guilde de niveau 1 dans toutes nos villes, parce qu'on va avoir plusieurs villes, ou commencer avec une guilde des mages niveau 3 sur la ville château. Alors je vais prendre expert navigation parce qu'on a vu ce que ça a donné, expert logistique sur la carte d'avance, ça m'a fait gagner un temps. Ouf. Through an extensive network of underground tunnels dug by the Overlord's armies, they struck simultaneously in many areas with overwhelming numbers. Credit the military for holding the invasion to half the country. We have discovered the main artery for transporting forces from Nyon to Arathia. It is under the ocean, connecting the Nyon underworld to the Arathian mainland. Bracata and Avali have sent armies to join the fight. First, we must eliminate the remaining Kreegans and Nyon forces from the mainland. Then pursue them underground and drive them back to the shores of Nyon. Ok, alors, les maîtres du donjon sont intelligents. Pendant que les démons d'Eofol attaquaient les frontières erasiennes, les forces de Nigon étaient en train de creuser, donc ceux qu'on nous avons joués dans Donjons et Démons, hein, étaient en train de creuser sur toute l'entière distance jusqu'à Steadwick, en lançant une attaque surprise presque simultanément à travers la nation. Nous devrions remercier les forces militaires royales erasiennes pour avoir tenu l'invasion jusqu'à la moitié de la frontière est erasienne. Cependant, nous avons maintenant des maîtres du donjon qui sont en cavale. Votre travail est de les poursuivre jusque sous Nigon et établir une base dans leur territoire. Alors, des forces d'Avli et de Bracada nous aideront dans cet assaut final. Aucun avant-poste de Nigon ou Neofol n'a l'autorisation de survivre dans ces tunnels. Nous devons leur donner une bonne leçon, qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Bonne chance. Ok. Alors, ça mérite une save. Alors, tunnel et Troglo. Tunnel. Troglodyte. Est-ce qu'elle est comme ça, hein, Troglodyte? Troglodyte. Oui, oui, il me semble. Hein. On va vérifier. J'ai un doute. Non, pas l'aude. Oui, tout à fait. Ok. Grande map. Hein. Loin d'être petite. C'est pas une géante, mais c'est quand même une grande map. Alors, c'est Christian qui est l'expert en navigation. Les autres héros, donc l'héroïne Genova de Avli et Astral, qui sera de Bracada, n'ont pas la navigation experte. C'est très dommage. Et donc nous commençons avec 3 villes. Commençons avec 3 villes qui sont déjà un petit peu développées, hein. Rien de bien fou, mais c'est déjà bien entamé.
Alors, niveau taverne, on a un clair. Ok. Tac, tac. Ok, donnons les troupes à Christian. Alors, ouais, grande carte. Hein. Très très grande carte. Alors, Christian, je sais à peu près où aller, ce que je vois. Oh, bouclier de la sentinelle. Ah, faire une quête ou j'irai vérifier avec lui au pire, avec un autre héros. Alors, on va recruter des griffons pour commencer. On va aller se faire les tireurs d'élite pour aller recruter des archers. On va ramasser des sous. C'est très peu d'or. Hein. Ou alors j'ai tout dépensé comme un cochon. C'est aussi une possibilité, ma foi. Alors commences-tu avec un slip de sort? Oh, tu commences avec... Oh, it knows! Oh, damn. Alors, vous devriez être capable de prendre une énorme force de Nigon par la mer. Les attaquer du dessus, mais vous devez faire preuve de prudence, étant donné qu'il y a beaucoup de... Alors, les riffs, c'est pas des coraux ou une barrière naturelle, les riffs, Reef Field Strait, qui sont à la fois dangereux et traîtres. En gros, on nous dit de faire attention en mer, là, globalement, je traduis. 9. Christian et sa fameuse grosse baliste. Ah, 9. Impossible de faire mieux sur des combats si petits. Ah, mais c'est pas du tout une tour d'archer. C'est une caserne de fantassins. Ce qui n'a rien à voir. Qui est bien mieux. Du coup, je suis très satisfait. Alors, tête de centaure. Ah bon, il y a une mine non gardée. Bah, c'est cool. Eh oh. Oh. Petite hypnose. Faire taper le groupe de 5. Ça dure vraiment longtemps avec nous, c'est ouf. Hypnose. C'est trop trop bien. Ah, on va passer sous contrôle ennemi. Alors tape le plus gros groupe, le 3, parfait. Alors 4 points de vie, 11 points de vie. 10, parfait. Aucune idée si j'ai fait mieux. Je ne pense pas, Batman. J'aurais peut-être dû recruter avant de faire le fou. C'est pas grave. Tour de mage. J'ai pas la longue vue, j'ai dû la louper dans une mission précédente.
Aïe 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 aïe. Ah, bateau. Ok, c'est cool. 3950. Oh. Ok, c'est bon, il a récupéré des troupes. Hypnose, c'est ouf. Je vais le laisser dormir une journée ici. Spéculum, j'ai pas. Dû le louper aussi. Oui, oui, je veux les pourchasser, ces démons. Easy. Christian, tu vas prendre de l'expérience, par contre. Ok, apprentissage plutôt pas mal en début de session. Beaucoup de mines qui sont pas gardées du côté de l'elfe, je suis assez choqué. Ah fuck, plus de pierre. Aïe. Parce qu'on n'a pas de... Aïe aïe aïe, il y avait une carrière juste ici. Oh là là. Fuck. Le souterrain il est hachement grand. Oh! Déjà une copine. Hein. Ah, y a plein de coffres là-bas. Blacksmith, le forgeron, il faut. Bois pierre. Bien fuck les amis. Oh, il y en a 50. Point, 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 point. Oh, ça c'est une attaque gratuite. Merci. Oh, le plaisir de jouer contre des harpies, quoi. Harpies qui sont améliorées, donc qui en plus font des attaques gratos, sans riposte. Génial. Ah, puis elles sont bien positionnées en plus, ces salopes. Ces dégâts que je prends gratuits avant même de jouer. Oh. Baliste est vraiment balèze. C'est pour ça que Christian, je vais lui donner beaucoup d'expérience. Les harpies sont 50, c'est beaucoup à ce stade. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Après, vu le nombre de coffres, je m'attendais à avoir des pertes, mais l'expérience, c'est une valeur très précieuse dans Heroes of Might and Magic 3. Parce que plus on a d'expérience,
Plus on est haut level, plus nos troupes ont une force décuplée. Je crois que j'ai fait légèrement mieux. Ah oui, offense. Oh non, la magie est zéro avec le chevalier. Et en plus, c'est un objet. Il y a deux objets. Bon, j'ai pas de livre de sort, mais bon. Quand même le souligner. Tout de même. On va faire un silo parce que l'or n'est pas trop un problème pour le moment. Non, le bois on le garde. On le boit pour le bateau. On le boit pour le bateau. On le garde pour le bateau. Non mais allô quoi. Parce que c'est justement le bois qu'il me faut. Chapeau de sorcier. Vous autorise à lancer tous les sorts de 5e niveau. Oh, faut trop que je... J'allais chercher un livre de sort pour Christian. Alors, bateau. Alors, quand on monte dans un bateau, il faut savoir qu'on dépense tous nos mouvements pour rentrer dans le bateau. Donc, voilà. C'est très très long de naviguer dans Heroes. Alors, Blacksmith, ce qui fait chier. Hop. C'est le kit de dommage, donc c'est le bois qui fait chier. Ici les deux. Bon, pas comme ça, on est fixé. Et alors, bateau. Oh, what? On peut aller sous terre avec le... Avec le tourbillon. Je savais même pas que c'était possible. Est-ce que vous voulez battre les gardes? Ah, oh, attends. Malheureusement pour vous, la Golem Factory, donc l'usine à golem, est gardée par un petit pack de golems d'or. Oui, je pense pouvoir me les faire. Non, apparemment, c'était pas le cas. Ah, mais il y a des golems de diamants! Mais ils ont dit des golems d'or! Oh, mais c'est des unités de ouf, les golems de diamants! Ah, ouais, tu m'étonnes. Avec un peu hypnotisé. Wow. D'accord. Faisons un câlin hommage. J'ai mis ce clic. Merde! Attendez, on va charger. Ne me jugez pas, ne me jetez pas de cailloux, pitié. Alors non, c'était pas notre affaire. C'était tunnel et troglodyte. C'est bon, j'ai fait un misclick, ça arrive. Merde, j'ai pris l'expérience qu'un imbécile. Oh tant pis, j'assume mon erreur, vas-y. Du coup là, ouais, on oublie alors. Ah mais il y en a ici aussi. Ah oh, oui, mais trop gratuite, oui. Complètement. Ah, moyen fixe de gagner de l'or. Plus des mages. Malheureusement, eux se font avoir à chaque fois. Bon. En magie de l'eau niveau 5, qu'est-ce qu'il y a de cool? J'avoue que j'essaie de me rappeler là, ça me va pas tout de suite. On va prendre offense alors. Par contre, j'ai plus beaucoup de troupes. Je vais battre en retraite avec Christian.
ce que j'aime bien chez les remparts, c'est qu'ils ont le trésor. Le trésor, ça te donne 10% d'intérêt en début de semaine. Donc, toute l'or que t'as accumulé. C'est une très bonne ville secondaire. Oh oui. Oh, c'est bon, ça. Ils ont accepté de nous rejoindre, comme ça, sans brancher, dans le plus grand des calmes. Dans le tourbillon. Ok, choper des troupes. Ça, il y avait rien du tout, quoi. Il se clique. Là, tout est gardé. Ça coûte 5000, franchement ça vaut le coup quoi. City Hall. Ok, notre économie est globalement en place. On va camper avec Christian. De me faire une thune mais monstrueuse. Il faut que je garde des sous sinon je vais pas avoir de quoi recruter. Coffre vide, 3000 d'or, 800 d'or, ah, c'est bien, on fait beaucoup de bois. Oups. Piquez trop vite. Bon, ils auraient pu se joindre à nous quand même. En quête de gloire, en quête de gloire. Ah, tiens, c'est un petite lisse. Ah, est-ce que ça vaut le coup que j'augmente les troupes d'ici? Ça me coûte combien globalement de recruter? 9000, ok, j'ai pas les sous. Il faut que je garde les sous pour toucher les intérêts. Ça, c'est important. Oh oui. Oh oui. Oh là là. Tiens, on a un combo de ouf là. Portail de gloire. Juste avant le début de la semaine. Trop cool. Faire de l'or maintenant. Faire beaucoup d'or. Tac, 4. Jardin ici à faire. Hop, hop, hop. On va les recruter. Le mec s'est bien accumulé, c'est cool. Sinon, ici, ouais, on n'a plus grand chose à visiter. Hein. Toi, tu vas rester là au moulin. Du coup, t'as carrément pas de quoi tout recruter, évidemment. Ah ah. Ok, changement de plan. Ah, oh, j'ai pas de quoi tout recruter, quoi. Franchement, faut que je vende toute ma pierre, tout mon bois. Là, c'est une question de... C'est urgent.
Ça, c'est un héros en moins. Et Christian, il faut que tu rattrapes ton retard. Il n'y a pas un seul coffre dans l'eau. C'est fini, on a tout ramassé, quoi. Bon, on l'a chopé. C'est ce tir qui fuit le salaud, quoi, en plus. Tiens, on va améliorer tout le monde au fort. Oh, oui, oui. Ça fera plus de piétailles à envoyer se faire massacrer. Non, et sérieux. Ouais. Eh ben, il fallait revenir jusqu'ici. Tout le monde a amélioré. Je suppose qu'on va en avoir besoin de la tente blanche, donc je vais la faire tout de suite. Je sais pas, ça pue la merde. Tu la mets pas sans raison comme ça en général. Petit capitaine. Nettoyer tout ce qui est dans le sous-sol. Recruter quoi, abusé. Ouais, de toute façon, mes troupes sont améliorées. Ah merde. Beaucoup de troupes. Putain, j'ai pas acheté le livre de sort. Mais quel imbécile! Les sorts. Oh, mon dieu, il y a implosion. Oh, c'est un sort de ouf, implosion, quoi. Elle est gigantesque, la carte. Ah, fin des ressources. Oh. Il y a enfin quelque chose à ramasser. S'il y a des monstres, je vais explorer avec Aurine. Plus loin où je peux aller. Putain, il y a de
fuck, on peut prendre des bateaux sous terre, quoi. Non, mais waouh. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Frong, Frong, c'est genre des centaines, non? Même pas vrai, je m'approche de ça. Mais il est passé où le héros orange, sans déconner? Pas prendre le bateau, tiens, vas-y. Ok, il était en bateau. J'ai ma réponse. Alors, Aurin, tu vas courir comme jamais. Mais il n'y a aucune terre, c'est que des récifs en fait. Choper en vrai. Par contre, en vrai, il faut vraiment que tu cours. Là, c'est le moment où tu cours pour ta vie. Septième jour, pas de panique. Ok, la clean. Semaine des chevaucheurs de loup. C'est pas bien. C'est vraiment dommage que j'ai pas... J'ai pas accès... sur le niveau 5 à cause de ma mana, quoi. Extrêmement dommage. Quelque chose hein. Trente-sept mille, eh ben. Plein de belles choses à ramasser là. Oh, un cyclope. Ça, c'est des petits contingents. Ah, il y a une ville. Ah, putain, enfin. Putain, sérieux, depuis le temps, quoi. Je commence à désespérer. No joke. Est-ce que c'est vaut vraiment le coup que je monte les autres villes, sincèrement? Au final, Christian, il aura même pas utilisé sa navigation, je suis trop vénère. Ok. Ah bon, bah, il y avait rien, parfait. Attends, je vais peut-être me servir de Lord Art comme un second héros, en fait. Parce que si le terrain est gigantesque... C'était pas prévu de base. Mais je peux m'adapter. Elle va faire un tour de carte, elle va m'en rapporter une thune, mais démoniaque. Bon, globalement, il n'y a plus rien à sortir là.
dans cette ville. Elle est quasiment maxée. Oh, attention. Attention aux élémentaires d'eau. Gigantesque la carte. Lié orange a l'air d'être un méga passif. Hein. Elle a juste fait un héros et ça s'est arrêté là quoi. Ok, je dis ça, il y a un héros juste là. Ouais, une ville aussi. Alors, on va chasser le héros d'abord. Mon dieu, mais il y a combien de villes orange quoi. J'aime bien mes héros qui sont là, mais uniquement pour se trimballer. Trimballer à travers les mers et les plaines. Je roule sur tout, hein, très clairement. Il y a des petites troupes. Ah quoi? Il doit avoir des sorts balèzes. Ah, il est quand même 31 hein. Merci, attaque gratuite. Ville Archange 182. Attends, j'ai eu des pertes chez Zelbardier. Ah, j'ai pas perdu tant que ça. Allez-y. Oh le salaud! Ah, sérieusement, pétrification. Le moment où il regagne du moral en plus. Énorme parquet, un paquet de harpies. Voilà, là, on a eu peu de pertes. Là, ça valait le coup. Je pense qu'il était en exploration ici, en fait, le héros. Il n'y a pas du tout de ville. Non, mais est sérieux, il y a combien de villes? C'est... Eh, c'est vénère. Et puis, alors, elle va avoir fait un tour du monde en bateau, quoi. Mais je vais bientôt gagner un point de mouvement... sur tous mes bateaux, comme si c'était civilisation et que j'avais reçu le bonus de tour du monde, quoi. Oh, attends, c'était où ça? Attends, c'était où ça? Attends, c'est un château. Ici, d'accord. Ah, il n'y a pas de château ici, on s'est tellement fait couillax. C'est tout le temps la même défense. Il y a une autre ville. Ouais, le héros a bougé. Ah, coffre.
Ouais, il fait sa life, hein, il bouge tranquille, hein, comme s'il était chez lui. Dans le plus grand des calmes. Bon, par contre, j'ai perdu Archange, je suis un peu vénère. Bah, pas d'autres villes en vue. Hein. Prendre les villes comme ça. En plus, il n'y a rien dedans, donc du coup, aucun moyen de recruter pour ne serait-ce que défendre contre des petits héros qui ont rien. Les bateaux se sont de rejoints. Se sont tous les deux rejoints. J'ai quasiment fait toute la carte. Oh, mais il y a des gens à droite aussi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mes aïeux. Prends la ville, là. Tac. Du coup, ce con, il est ici. À droite là. Je fais passer des niveaux un peu à tout le monde, je sais pas où je mets les pieds. Hein. Ah, sur la bordure là, il y a des héros aussi. Putain, mais ça s'arrête jamais. Parce que Malekith, là, bon, il commence à doucement me courir sur leur écho. Oh putain, il a des rois minotaures et des scorpicors maintenant. Bonus de joute là. Il va revenir combien de fois cet enfoiré me chier dans les bottes? Bientôt avoir exploré toute la carte navale, hein. Toutes les cartes maritimes. En sérieux, il y a encore des villes. Faut peut-être aller au milieu. Non, t'es sérieux. C'est terrible si c'est le cas. Thank you.
essayer d'explorer tous les chemins un peu paumés là sur la droite. Gigantesque la carte, j'en reviens toujours pas quoi. Terriblement grande cette carte. Alors comment on achète un bateau comme ça? Tout à fait. C'est décourageant. Ah, ouais, faut sortir là. Donc faut choper les héros restants. Putain, mais c'est ultra relou. Avec les portails, j'ai choqué qu'il n'y en ait pas eu avant. Oui. Il y a un panneau avec un message. Ça doit être bien drôle à mon avis. Courage. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. J'ai 3 héros qui partent dans 3 sens différents. Big fun quoi. Allez vas-y. Un château là dans ce coin? Ah, peut-être que le portail ça amène un château. Eh ben non. Comment je suis trop mad? C'est-à-dire que je me suis tapé tout ce chemin dans le vent? Ah! Ça m'en a tous les reins. Génial, donc j'ai mon meilleur héros qui est globalement... vient de se faire ultra cuck. Non, mais c'est pas grave, on va compter sur Lord Art. Non mais, où est le château restant de l'IA, quoi? Je pensais que c'était good, là, ce stade, sincèrement. Et tout. Oh, des objets de ouf ça. Voilà, faut que je fasse tout le chemin en inverse. Oh là là. Non mais c'est pas possible, il y a un château dans là dans tout ça. Oui, parce que je veux recruter des troupes. Parce qu'ils sont très solides les. Attends, il y a d'autres accès. Ok.
On va rejoindre les copines, hein. Je vais attaquer sur plusieurs fois. Pas le choix. Tant pis si je perds certains héros parce que mes troupes sont divisées. Mais là, j'ai pas d'autre solution. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Perceval? Je suis démuni. Je suis quand même pas vous attaquer. Je vais vous faire foutre au trou. J'ai pas d'autre solution, vous me laissez pas le choix. Extrêmement grande cette carte. Ok. Alors, le but, pas gagner, le but, pourrir un maximum. Alors 50, 35, 60. En gros, deux sorts, 30. Ouais, bon, en gros, c'est l'équivalent d'un trait de foudre. Splat! Essayer de lui pourrir ses unités à distance. Ok, il m'a déjà buté un archange. C'est sûr, hein, avec un héros de niveau 1, c'est tout de suite plus dur. Hein. Oh, et le tir gratuit en plus. Ah! On avait pas dû envoyer les archanges comme ça. C'était une idée stupide. C'est bon, elle a plus de mana en plus. On va les attendre. Ah oh ! Les 137 troglodytes infernaux sont fait sentir là. Bon bah let's go. Ah, c'est l'unité la plus faible et j'ai déjà du mal à descendre. Tant pis, on va buter un maximum de troglos. Changement de plan. Oh non, 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 non. Oui. Ok. C'est pas grave, on a tué pas mal de troupes. C'est ce qui compte. Oh, c'est mon dieu, ça veut dire que je dois me taper tout ce chemin. Oh là là. Mon dieu, mais Christian il va arriver, mais il y aura plus personne déjà. Mais où est le dernier château de Lyon? Vraiment, sans déconner, no joke. Château, c'est obligé. On peut pas avoir un château dans si peu de... Non mais il y a un truc là. Il y a un château. Ah, il y a un espace là. J'ai oublié de bouger Christian, quel imbécile. Non, c'est pas possible. Ça on a fait. Peut-être ici, un bateau paumé. Pas sans raison à mon avis. Oh, 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 oh. Le truc blanc, il va servir. OMG, c'est pour retourner à la maison. Ah, je suis dégoûté de la vie. Ok, non. Voilà, je fais une save par contre. Un chargement, pardon. Ah non, c'est alors ça. Là, c'est non, là.
Mais ça sert complètement à rien, je suis ultra vénère. Non mais c'est mort, il n'y a pas de château ici, c'est impossible. Mais où est son dernier château? Tiens, on va se faire rejoindre Lord Art et Christian, normalement ils doivent se croiser là. C'est ça, ok. Alors Christian, tu me prends toutes ces troupes et ces objets. Là déjà ça va mieux. Comment on va ici là? Non mais what? Oh putain, il y a un dragon rouge. Ok. Très bien. Dragon rouge, 180 points. Ok. Ok, j'ai réussi à en descendre un. Oh, il y a 67 Minotaurs. Mon dieu. C'est pour ça que je perds le combat. On a buté un max de Minotaurs. Je peux pas faire mieux. Hein. Putain. Putain. D'accord. Son dernier château. Ça c'est fait. Il y a un truc là. Il y a quelque chose. Pire, il est lent en plus, Christian, quoi. Oui. Si, c'est forcément ici, ça peut être que ici. 39 griffons contre 3 albardiers. Alors là, ça c'est un bon deal. Hein. Il y a le château, je peux le sentir. Oh, mon dieu! Il est une armée de bâtards. Je peux pas battre ça. Je peux clairement pas battre ça. Ok, on va revenir grave en arrière. Oh mon dieu. Ah non, on revient pas aussi loin que ça. Non, non, non. Genre 232. J'avais pas encore perdu tout le monde. Et j'avais chopé la plupart des... Ok, bon, ça me va. Ok. On va regrouper tout le monde.
Et on va envoyer tout le monde au casse-pipe. Ah putain, j'en reviens pas quoi. Oh putain. Alors, où allons-nous nous regrouper les enfants? Est-ce que c'est possible? J'aurais peut-être dû monter les autres châteaux, effectivement. Après, on est blindé vénère en donjon, c'est l'avantage. Ah, mais en vrai, il y a moyen. Je propose de se regrouper à ce donjon-là. Le Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, une aventure magnifique, Donjons et Dragons. Bon, très clairement, Christian, c'est celui qui va devoir s'enjailler de toutes ses troupes. Tout ça, c'est plein. Hop, ça c'est fait. Alors, on prévoit une deuxième vague avec un regroupement de donjons, si jamais il faut. Parce que là, j'avoue que l'IA m'a plutôt mis sur le cul hein, en termes de bottage. Oh là là, puis alors ils sont longs. Pourquoi tu fais un chemin de ouf pour aller en bas à droite, toi? Il y a un vieux monstre qui a spawné sur l'allée, c'est ça? Et voilà, gagné, il y a une méduse. La duelette semaine de la méduse, et ça crée un spawn. Classique. Bah Christian, on va te faire gagner un peu d'expérience du coup, parce que s'il faut attendre tout le monde, on n'est pas couché. Alors, guide de déballage, tac. On commence doucement à tout améliorer. Ah, j'avoue que je n'étais pas prêt hein, pour la quantité de troupes. Déjà, les 70 minotaures, ça m'a un petit peu séché. Parce que le problème, c'est que vu que la carte est gigantesque, eh bien, eux, ils accumulent des troupes. Donc, c'est cool. Mon petit Christian, on va te donner toutes les troupes. Elle a fait toutes les guerres, cocotte en papier. T'as pas d'objet à donner. C'est bien, on va pouvoir te rejoindre ici. Alors. Tac. Mademoiselle Adélaïde, vous allez te donner toutes vos troupes. C'est mieux, mais c'est pas génial. Je pense pas pouvoir gagner. Prendre de l'expérience. Vas-y, on va tenter comme ça. Fais une save genre. Tu es trop gros. 1. Si on n'avait pas mis le 1. Ah, c'est pour ça que je galère cette mission. J'ai violé la règle. Non. Ah oui, lui, il avait déjà nettoyé. Ah, puis alors, le pauvre Christian qui a pas de mana, quoi. Non, je peux pas battre en fait. Bon, il y a déjà moins de troupes, mais la vache, c'est putain de conséquent. Hein. S'il pouvait venir, genre, si je le bait, genre, comme ça, avec un petit griffon. 99, wow. Allez, vas-y. Ah bah tiens, il m'a descendu tous mes tireurs. Non, là, c'est pas la bonne strat. Alors, l'autre game, yes. Il est fou. Il est fou, son héros en plus, quoi. Moi, c'est ça qui me met sur le cul, quoi. Si je
massacrais systématiquement toutes les troupes que je croisais pour faire un maximum d'expérience. Tenter de choper quelques niveaux à la va-vite. Parce que très clairement, il gagne. Là, c'est même plus une question. Faudrait que je lui envoie toutes mes troupes. Mais il a double production sur tout en fait. Oh, ce dragon rouge, noir. Oh mon dieu. Tu revenais ici, toi, petit père, avec toutes tes troupes qui ont pu s'améliorer, enfin s'entasser plutôt. Mais attends, mais y a moyen en fait de venir ici. Attends, c'est quoi le délire là? Quoi? On peut gagner? J'ai perdu énormément de troupes. Est-ce que je suis un lâche et j'accepte le combat de l'auto-résolve? Il a fui en plus. Non, j'accepte parce que c'était vraiment dur. Oh, super armurier qui vient seulement maintenant, cette blague. Oh, j'ai survécu avec 20 fantassins, c'est une blague? Ah non, non. Putain, t'es sérieux? Je vais vraiment perdre là-dessus. Oh non. Ah non, ça c'est pas juste, par contre. Il fait des invocations. Ça c'est vraiment pas juste. Ah, c'est pour ça que je perds le combat. Alors non, 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 top. Arrêtez tout. Load. Oui. Putain de merde. Alors 317 normalement. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Revenons en arrière. Je suis désolé pour ceux qui regardent jusqu'au bout, mais là je suis un peu obligé de faire tout ça. Non. L'autre game. Ça doit être celle-là. Là, il va m'attaquer. L'auto-battle va gagner. Quoi? Il m'a pas attaqué. D'accord. Je comprends pas. Ah, mais oui. Ok. Dans le game. Pourquoi il a changé sa strat, je ne sais pas. Je sais pas, il m'a attaqué juste avant et là, que dalle. Et il m'attaque pas. Ah putain. Mais ouais, mais c'est possible de venir du centre. Oh, j'ai dû zapper alors. Il veut pas m'attaquer maintenant. Incroyable. Il va rester cloîtré dans son château maintenant. Putain, c'était si proche. Non, je refuse. Je load direct.
J'ai dû faire un truc qui l'a trigger. J'ai pris la mine d'or. J'ai pris les minotaures. Il me semble pas avoir pris... J'ai voulu... Voilà, aller là. J'ai fait ça et il est sorti, il m'a attaqué. Et il le refait plus. Ok, c'est dégueulasse. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vais m'empêcher de... D'avoir un bonus, tant pis. On va augmenter les tours à donf. Pourquoi je perds? Tout à l'heure, j'ai gagné. Je ne comprends pas. Si on... Mais il a... Putain, il a 28 scorpicards, quoi. Non, mais les dragons... Vraiment, vous me bouffez Spadassin. Et Arcanjo. Mon dieu, il a Armageddon. Ok, adieu les champions. Très bien, il a Armageddon. Depuis quand, je ne sais pas, mais... Oh là là, la double attaque. Ça c'est dégueulasse par contre. Ok, c'est bon. Dragon down. Évidemment, il a chaté. Oh non, la paralysie après j'ai fait la résurrection. Non, c'est dégueulasse. Le temps que je revienne avec d'autres troupes, j'aurais très clairement pu l'avantage, quoi. Faut que je fuis avec Christian, ce combat. Il est super affaibli, en vrai. Faut juste que je fuis. Faut juste fuir. Non, laisse-moi fuir. Je recrute mon héros. De préférence... Ressort Christian. Allez, maintenant je t'attaque avec les troupes du donjon. Il faut savoir s'adapter, les enfants. 4 tours. Putain, mon dieu, c'est terriblement long. Si je fais venir les troupes ici. Tout est amélioré en plus. C'est caviar. Mon dieu, 88 000 d'or. Ah, il n'y a que comme ça que je peux réussir cette mission. Le héros bâton. Tac, tac. Christo qui revient à la charge avec mes... toutes les troupes du donjon. Ah, maintenant, on l'encule. 3 tours. Est-ce que les troupes du château, bah, il se trouve que c'était le contingent de départ. Maintenant, je vais bien jouer moi-même ce combat parce que
Oh putain que je vais l'apprécier quoi. Allez tiens t'es Minotaur là. Des blé. Méduse d'as blé. C'est pour ça que j'aime beaucoup les troupes du donjon, c'est que elles ont plein de trucs cool, genre les harpies qui tapent sans riposte. Les manticores qui paralysent. Bon bah les dragons noirs, voilà, mais dragons qui sont immunisés à tous les sorts, donc bah, difficile de pas aimer. En plus c'est un dragon donc il tape sur deux cases, encore une autre raison d'aimer. Ils ont deux troupes qui tirent à distance, les méduses pétrifient, les troglos, c'est une unité de base qui est immunisée à la cécité, c'est gadget, mais en vrai ça peut servir. Minotaurs qui sont des putains de tanks, voilà. Alors, comment pas bouffer mes unités? Leur faire la bourre, tac. Scorpicore, Manticore contre Manticore. Attends, c'est Scorpicore ou Manticore quand elles sont rouges? Ah, c'est Scorpicore quand ils sont rouges. Ah, j'ai toujours cru que c'était Manticore. C'est l'inverse. Il a fallu que je sorte des troupes de deux châteaux donjons que j'ai accumulés depuis un sacré bout de temps. Hein. J'ai voulu aller plus vite que la musique et au final ça m'aura coûté du temps. Mais je m'attendais pas à avoir une telle quantité de châteaux. Hein. Mais vraiment pas. Je m'attendais à genre 3-4 châteaux, c'était la moyenne. Mais là, c'était waouh. Ah, et puis en plus, il voulait les items qu'il avait, quoi. Attends, t'es en train de me dire qu'il... Attends, 5 jours... Attends, jour 5... Ah, mon dieu, faut défendre ensuite. Oh. Ah, ça, c'est les petites troupes. On va le bouffer. Combat auto. Oh, rien du tout. Même pas en rêve, tu prends un château. Attends, il est sorti d'où ce con là? Oh non. Ah putain. Ah c'est bon, nouvelle semaine. Il a pas de troupe? Il a plein de troupes. Recrutons et bougeons très vite Christian. Christian qui va enfin avoir son premier livre de sort depuis le temps. Là. Et on le fait revenir par là au cas où il reprenne dans 4 tours. Victoire glorieuse. Et il avait... Ah non, ça va, il... Ça va. Ok, bon bah ça a tenu, parfait. Normalement, c'est son dernier château. Orange, alors les héros du orange ont été bannis. Ah, félicitations, tous vos ennemis ont été défaits. Victoire est vôtre. Ouah, et bah pas simple celle-là, hein. Tunnel Troglo, Damn. Oh, c'est la fin. Oh, c'était la dernière mission de libération. Oui, parce qu'on a réussi à battre les dernières créatures de donjon. Oh, wow. Celle-là m'a fait transpirer. Hein. Elle m'a fait transpirer. Hein. La dernière, vraiment, elle était... Ah bah, ça y est, ça barre le meilleur score. On est premier. Ouais, mais libération, elle est vraiment dure. Vraiment très très dure, libération. Eh ben, j'espère que Long Live the King sera moins dur. Hein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, parce que j'en ai vraiment chié pour la faire. C'était la chaîne de Fire, je vous dis naturellement, ciao à la prochaine !